Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est férié, c'est pour ça qu'il y a chouchou dans mes pattes et que moi je travaille quand même. Aujourd'hui on est on est mercredi, c'est le jour de la Toussaint. Et il est midi. En fait je vous ai pas pris ce matin parce qu'on a traîné un peu avec chouchou et puis après j'ai travaillé et tout. Donc j'ai pas sorti la caméra du tout. Je suis en train de faire des pâtes carbo pour changer. Oui, je l'ai fait aujourd'hui. L'eau est en train de bouillir, les pâtes sont en train de cuire, du coup je ferai les lardons et tout ça après. Et lui il va me casser les pieds pendant que je suis en train de filmer parce qu'il sait très bien que j'ai appuyé sur le bouton rouge et que du coup voilà, il faut qu'il m'enquiquine. Du coup je suis obligée de fermer, à chaque fois que je vlog il faut que je sois toute seule dans une pièce. Et même comme ça il m'enquiquine, je sais pas si vous l'entendez. Bon bref, sur ce, aujourd'hui je travaille, donc je finis normalement ce soir à 7h. Mais je forme un responsable apparemment, un des responsables du magasin. Enfin pas de ce magasin mais d'un autre magasin, donc du coup je le forme au niveau des caisses. Donc je pense que je vais pas rentrer très très... Enfin j'espère rentrer tôt, c'est-à-dire 19h comme c'est écrit. Mais il y a des chances pour que voilà, 19h15, 19h30 je sois encore au travail. Enfin j'ai comme l'impression que ça va être le cas. Même si lui il a plutôt tendance à... Enfin voilà, il a plutôt tendance à vouloir partir tôt et à faire les choses voilà, de A à Z et puis basta quoi. Donc voilà, on verra bien. En fait je vous prends maintenant, j'avais pas spécialement envie de vlogger, enfin sans plus en fait, parce que j'étais en train de lire les commentaires que j'ai reçus sous ma dernière vidéo, donc la vidéo qui est sortie ce matin. La vidéo c'était un peu de temps pour moi ou pour soi, je sais plus comment je l'ai mise, donc le vlog 7. Et j'ai eu un commentaire qui m'a fait juste trop trop rire. C'est le commentaire de bonjour bonjour qui me met dans la cuisine. J'ai l'impression que Chouchou avait envie d'autre chose mais au grand désespoir il s'est rabattu sur les saucisses. J'ai adoré ton commentaire, j'espère que tu repasseras par là. J'ai adoré ton commentaire, il m'a fait super rire. Et non, il avait envie de rien d'autre à part les saucisses. C'est pas dans ces moments-là qu'il a envie d'autre chose. Là, il m'a juste fait un petit câlin. C'était surtout pour dire, ma petite chérie, je te laisse faire la vaisselle. Et puis, on se fera un petit câlin tout à l'heure, quoi. Ou alors, voilà, je m'occupe des saucisses, t'inquiète pas, occupe-toi de la vaisselle. C'était plus ça que ça voulait dire. Mais enfin, j'ai trop trop rigolé. Je l'ai lu à Chouchou. Bon, Chouchou, il a souri, mais il a toujours dit, nénéné. Toujours le petit négatif, mais ça c'est juste pour moi qui kiné. Je sais très bien qu'il a bien aimé ton commentaire. Donc voilà, du coup je suis en train de répondre à vos commentaires. Et puis après je vais faire à manger à mon petit chéri, à moi-même aussi parce que j'ai un peu faim. Et puis après je vais retourner travailler et puis du coup je vais vous récupérer je pense ce soir. Ou alors peut-être entre deux, je vais voir en fonction de Chouchou et de son envie taquine on va dire. Parce que c'est soit il va m'enquiquiner et je pourrais pas filmer, ou alors ça va être quelque chose. C'est soit tout, soit rien en fait. Soit ça va bien se passer, soit ça va mal se passer et du coup, enfin mal. Voilà, soit ça va être compliqué de filmer et du coup, je filmerai que ce soir quoi. Donc on verra bien. T'es obligé d'éternuer comme un débile là-bas? Juste pour exprès pour que tu m'entends, que je t'entende? Oh. Ouais. Parce que tu crois que... Ah tchou! De là-bas, je l'ai pas entendu? Jamais. Regardez-le, c'est innocent. Oui, ma panière est toujours là, je l'ai pas rangée. Elle a pas rangé non plus, croyez-moi. Oui mais les deux sont là en fait, mais je les ai pas rangés. Mais comme on n'a pas mangé hier soir à la maison. On n'a pas mangé à la maison hier soir. Oui je vais faire du violon. Mais je m'explique, je me trouve des excuses, je sais. Mais voilà, j'ai... Oulala, les pattes. J'ai pas mangé à la maison hier soir, donc le linge est resté là. Et puis quand Chouchou est arrivé en fait j'ai un peu stoppé tout quoi. Et puis d'ailleurs je voulais montrer un truc que je vous ai pas montré dans notre vlog. C'est ça en fait. Hop, ça c'était normalement ici. Ah, entre le meuble et la poubelle pour cacher la poubelle. Et en fait ici je compte mettre mon chien, enfin la niche de mon chien quand on le rentrera. Là aujourd'hui il a pas fait froid, enfin hier soir et ce matin il a pas fait spécialement froid, mais il a quand même dormi avec nous dans la chambre. Mais bon, voilà, le reste du temps j'aimerais qu'il trouve sa place dans la cuisine. Et puis après je sais pas trop, parce que comme on va voir le chat, peut-être que je mettrai le chat dans la cuisine, le chien dans la chambre, ou voilà, enfin bref, je sais pas trop. Mais bon, je voulais une place là pour l'un des deux. Et du coup j'ai mis ce petit meuble au-dessus de mon frigo, mais j'ai très très peur que ça m'affaisse un peu mon frigo.
Et puis en même temps, c'est pas très très esthétique, mais bon, c'est la seule chose que j'ai trouvée qui fasse à peu près propre, on va dire. Et puis bon, ma cuisine, elle est pas très fonctionnelle. Enfin, vous voyez, j'ai pas grand chose. Voilà, je vais vous faire un tour de ma cuisine. Tiens, regardez. Voilà. On voit à peu près tout avec mon bazar. Je ne vous cache rien. Voilà. Donc elle est bien, mais bon, elle est pas encore fonctionnelle. Elle est vraiment faite petit à petit avec plusieurs petites choses. Et il m'agace. Vous l'entendez faire, j'ai faim. Voilà, il fait exprès, hein, je sais. Enfin bon, bref. Donc mes pâtes sont bientôt cuites. Donc je vais aller nourrir mon ogre. Et du coup, dans mes carbos, je vais mettre de la moutarde et je vais pas mettre d'œuf. Ça, c'est pour celles qui m'ont suivi sur l'autre vlog, enfin sur les anciens vlogs, sur l'autre chaîne surtout. Parce que moi, en fait, dans mes carbos, j'ai dit que je mettais de la crème fraîche. Enfin, je faisais revenir mes lardons dans de la moutarde et qu'après, je rajoutais juste de la crème fraîche. Et en fait, on m'a dit que c'était pas du tout comme ça les carbos. Mais moi, je l'ai fait comme ça. Bon, allez, sur ce, à la cuisine. Ça c'est pour la cuisinière. J'ai servi un verre à chouchou, mais il n'y a pas de raison pourquoi j'y ai pas droit. Eh bien, je suis rentrée du boulot, ça fait déjà 1h30, il est déjà 8h30. J'ai toujours pas changé mon horaire, donc je suis toujours en train de calculer à l'envers, même s'il n'y a qu'une heure à enlever. Et ouais, j'ai fini à l'heure, c'est assez extraordinaire. Chouchou est parti, enfin je sors moi de la douche, enfin, ça fait un petit moment, mais je suis restée en peignoir. Chouchou est parti sortir Fidji. Du coup, il a pas faim Chouchou, il a pas mangé, moi non plus. Enfin, j'ai pas faim. J'ai pas envie de me faire à manger. En fait, aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est la semaine de la fainéantise. C'est-à-dire qu'on a vraiment pas envie de faire à manger. Pas d'obligation, en fait. On vit sans les loulous, donc on vit à notre rythme. Si on a faim, on mange. Si on n'a pas faim, on mange pas. Ce qui fait que là, j'ai pas spécialement faim, mais je vais quand même grignoter un petit peu. Et je ne sais pas encore ce que je vais grignoter. Je pense que je vais grignoter. Je vais me faire un petit apéro toute seule, entre guillemets, parce que Chouchou, il va aller se coucher parce que demain, il travaille. Là, il y a Secret Story, mais je vais pas regarder. Je suis fatiguée parce que on est resté là, ça fait 1h30 qu'on reste sur le canapé pendant que lui il joue à ses jeux, donc du coup j'ai eu le temps de me poser, de me calmer, de redescendre entre guillemets en pression parce que quand je travaille je suis à fond et je m'arrête que quand je me pose. Et voilà, bref, du coup je vais aller faire à manger, enfin un petit plateau repas, mais d'abord je vais aller m'enlever ceci quand même, je vais aller me changer quoi. Je vais me rabattre sur un paquet de chips, ça craint. J'ai la flemme, franchement j'ai la flemme de me faire à manger. Bon, et du coup le programme de ce soir ça va être de monter le vlog de demain. Parce que je l'ai pas fait et que j'ai pas le temps de les faire le soir même. Donc du coup j'ai 2 jours de retard plus ou moins. Donc c'est ce que je vais faire. Je suis désolée si je suis fatiguée, hein. J'ai eu une journée dans les pattes. Instructive, intéressante, mais une grosse journée quand même. Un jour férié, c'est compliqué de voir tous les autres. Enfin, c'est chiant en fait de voir tous les autres se promener, se balader pendant que toi t'es comme une con à travailler un jour férié. Je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. J'ai bientôt fini de mettre ma vidéo en ligne. Elle est à 51%, donc je suis pas trop mal. Il reste 20 minutes.
Je vais pas attendre qu'elle soit en ligne forcément, mais voilà, je finis de monter ce que je suis en train de monter, c'est-à-dire le début de ce vlog là, comme ça j'aurai un peu d'avance et je pourrai plus ou moins me reposer, on va dire, pour les autres jours. Donc en revoyant les images de mon dernier vlog, ça m'a fait penser à Nolan. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas s'il a fêté Halloween. J'ai quand même envoyé un message le 31 pour savoir si... Enfin, pour savoir. J'ai demandé au père de Nolan, en fait, que, voilà, de m'envoyer une photo si toutefois Nolan faisait Halloween. Apparemment, il le fait pas. Et encore une fois, donc cette fois-ci, il m'a répondu que non, qu'il le faisait pas. Par contre, il m'a encore dit qu'il était pas chez lui. Qui dormait pas chez eux en fait, donc je sais toujours pas où est Nolan. Et c'est pas que ça m'inquiète, parce que bon, voilà, il est avec son père, donc il est censé être en sécurité, mais voilà, il peut arriver n'importe quoi. Moi, je sais pas où aller chercher, je sais pas où il faut aller, et ça m'embête un peu de voilà que son père me dise pas voilà, je vais chez telle personne, on va dans telle ville. Je lui demande pas de me dire son programme de la journée, mais juste où dort Nolan quand il est avec lui, quoi, tout simplement. Mais voilà, ça se fait pas spécialement comme j'en ai envie. Tout comme il y a des choses qui ne doivent pas se passer comme lui en a envie. Donc voilà, il faut faire avec. Ça s'appelle les aléas de parents, on va dire. Donc voilà, donc j'entends Chouchou depuis tout à l'heure qui éternue, qui tousse. Donc je sais pas trop s'il dort ou pas. Mais je pense que je vais aller le rejoindre assez vite, parce que je suis fatiguée, et puis demain je me lève encore, parce que j'ai pas fini ma semaine. Moi ma semaine se finit vendredi soir, et puis même si elle se finit vendredi soir, j'ai quand même rendez-vous à la banque samedi matin à 8h30, et il faut que j'y aille à 8h30. De toute façon, c'était ça, où il fallait qu'on reporte dans 15 jours, et pour nous c'est très urgent d'aller à la banque. Donc, et comme c'était le seul jour où on pouvait y aller tous les deux, voilà, c'est pour ça qu'on y va samedi matin, et c'est pour ça qu'on y va si tôt, parce qu'il n'y avait plus de place, hein. Il n'y avait plus de place avant, quoi. Bref, sur ce, écoutez, je vais finir de monter ce vlog, mettre cette petite partie là sur l'autre vlog, sur le vlog 9, enfin sur ce, bref, je vais continuer à mettre cette suite, et puis je vous récupère demain. Je sais pas si je vloggerai dès le matin, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que je vloggerai pas du tout, je sais pas encore. J'essaie de faire du daily vlog, mais là j'ai pas grand chose à raconter, puis je fais des grosses journées, donc je sais pas trop encore. Je tente. J'ouvre toujours un vlog le matin, et puis si j'ai des trucs à vous raconter, tant mieux. Si j'ai rien, tant pis. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Chouchou, tu dors? Il dort pas. Donc je vais aller le rejoindre. Je vous fais des bisous.